Eh bien salut à tous, c'est Naxi. Alors je sais pas si vous êtes au courant, mais suite à une mise à jour du firmware des manettes de chez 8BitDo, donc moi personnellement j'ai une NES 30 Pro que vous voyez en ce moment à l'image, et ben les manettes sont devenues compatibles Switch. Alors beaucoup sur internet n'y croient pas tellement, donc je me suis dit bah tiens, je vais faire une petite vidéo, je vais filmer pour voir si c'est compliqué d'appairer la manette, et vous allez voir que j'ai fini par réussir à l'appairer en faisant divers menus. C'est la première fois que j'appairais un contrôleur sur la Switch, puisque je n'ai que les deux Joy-Con que j'ai eu directement avec la console, et je n'ai pas eu besoin de les appairer en les branchant la première fois. Ils se sont automatiquement connectés à la console, donc du coup j'ai découvert le menu un petit peu en même temps que vous. Donc une fois qu'on a fait la mise à jour de la manette en 4.0, pour ma manette à moi, la NES 30 Pro, il suffit d'appuyer sur Y et en même temps d'appuyer sur le bouton Power. La manette va se mettre à clignoter en bleu 4 fois très rapidement. Et une fois qu'on a fait cela, en fait, la manette rentre en mode de détection. Et c'est là après que sur la Switch, on va aller appairer une nouvelle manette. Donc moi personnellement, lorsque j'ai enregistré cette vidéo, là c'est commenté en voix off, puisque je ne sais pas pour quelle raison, lorsque j'ai enregistré avec le caméscope, ça n'a pas enregistré le son, ça a enregistré que l'image. J'avais touché un réglage qu'il fallait pas toucher, et comme je suis pas très fort au niveau des réglages, hein, vous voyez là sur la Switch, je galère un petit peu à faire appairer cette nouvelle manette, mais bon, en 2-3 clics sur l'écran, je suis rentré, sorti du menu, enfin bon voilà, j'ai fait 2-3 trucs, et finalement la manette est apparue. Et bah franchement, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, donc là, j'ai même été jusqu'à faire L et R en même temps, mais ça n'a servi strictement à rien. C'est pas dans ce menu-là qu'il fallait rentrer à la base. Il fallait simplement aller dans appairer une nouvelle manette et cliquer. Voilà, ça servait à rien de venir là-dedans. Là, la manette, vous voyez, elle est bien détectée et elle fonctionne directement. Donc, on ne perd pas les touches. C'est la première peur que j'ai eue, puisque je me suis dit, comment on va faire pour la touche Home et la touche screenshot? Bah on les perd pas en fait, les boutons du bas de la manette vont servir à la touche screenshot sur la droite et au bouton home sur la gauche. Donc du coup on peut même jouer avec la console en dock et changer de jeu au besoin en revenant sur le home. Alors bien évidemment ça marche sur tous les jeux, à l'exception de certains titres où on va avoir besoin du gyroscope, puisque la manette n'a pas de gyroscope. Donc du coup vous allez pouvoir jouer à Zelda par exemple, ça posera aucun problème de jouer à Zelda, mais vous ne pourrez pas utiliser le gyroscope, et il y a certains sanctuaires qui le réclament. Autre chose que nous n'avons pas par rapport à une manette pro ou à des Joy-Con, on n'a pas les vibrations, puisque sur cette manette NES 30 Pro il n'y a pas de vibrations. Mais par contre, une petite manette comme ça supplémentaire pour un ami ou pour jouer à tout ce qui est les petits Metal Slug et les trucs comme ça, bah là on a une vraie croix directionnelle, contrairement à par exemple les Joy-Con. Moi je n'ai pas acheté de manette pro, puisque bah 80 balles la manette pro, je vous cacherai pas que ça me faisait un petit peu chier quand même, donc du coup je ne l'ai pas prise, je me suis contenté de mes Joy-Con. Et là du coup avec cette mise à jour des manettes chez 8BitDo, ça me permet d'avoir deux pads supplémentaires pour ma Switch. Donc ça fonctionne bien évidemment sur Mario Kart, ça fonctionne sur NBA Playground, ça fonctionne également sur Fast RMX, ça fonctionne sur Puyo Puyo, ça fonctionne sur tout. Vraiment, sauf que vous n'avez pas le gyroscope et vous n'avez pas les vibrations. Donc bon, moi c'est quelque chose qui me dérange absolument pas. Ça va vraiment être pour avoir une manette en plus quand j'ai des potes qui veulent jouer à Mario Kart par exemple. Et ça fonctionne franchement plutôt bien. Voilà, je voulais simplement vous en faire une petite vidéo pour vous le montrer rapidement. Et voilà, hein, y a juste une mise à jour à faire. Vous allez sur le site, vous téléchargez l'utilitaire de la mise à jour, vous chargez la mise à jour dans votre manette en suivant les instructions, et franchement, ça se fait tout seul. Après, vous prenez, vous branchez votre... vous raccordez votre manette à la Switch, et c'est parti pour de longues heures de jeu. Voilà, c'était pour mon petit retour. J'espère que cela vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, et je vous souhaite, comme d'habitude, de bien vous amuser. Allez, à ciao les mecs!